C'est Flamax. On se retrouve sur Breakfast pour une vidéo improvisée, clairement. Je sais pas pourquoi, mais je savais pas que il y avait un nouveau tournoi en fait, nouvelle mise à jour, nouveau tournoi Breakfast. Donc voilà. Voilà. Que dire de plus? Tournament juin 2021. Breaking Madness, voilà. Saison 12. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais complètement oublié qu'il y avait un nouveau tournoi aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, hier du coup, mais hier quand vous, quand la vidéo sera en ligne, en fait la vidéo sera tournée hier. Enfin voilà, vous avez capté. Donc voilà, nouvelles épreuves du coup, nouveau tournoi, ce qui fait que on a un nouveau véhicule, le speed, la Speedbird GT. Oh, elle est magnifique. Clairement, on va l'acheter. Hop. Voilà, hop là, en possession. Good. Et puis, bah écoutez, à mon avis, on va jouer avec ce véhicule-là dans une des deux épreuves. Donc, on va faire ces deux épreuves-là. Et puis, c'est parti pour la première. Wow, c'est quoi ce circuit? Oh, mais c'est... Chasse aux pièces. Arrêt de destruction, secteur principal. Mais what the fuck? C'est quoi ça? Wow, mais je suis choqué. Oh. Arène de destruction. Wow, mais elle est énorme. Wow, mais regardez-moi ça, sérieux. Oh ouais. Il y a un looping, il y a des sauts, il y a... Wow, mais c'est quoi ça? Wow, mais ça va être génial ça. Oh, et puis le... Wow. Elle est magnifique comme ça, je trouve, la voiture en plus. Ah, tais-toi le pigot là. Réglage. Ouais, ok. Bah, c'est parti. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Ah, faut récupérer des pièces là. Ah, ouais, 67 pièces à récupérer. Ok. Mais ça va être génial cette arène en ligne ou autre. Juste pour s'amuser comme ça. Ok. Ok. Bon, c'est plutôt simple quand même, je trouve. Oh merde. Bien sûr, je les ai loupés. Voilà. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Ah, seulement le bronze, d'accord. 51 secondes pour tous les prendre. Ok, ok, ok. Bon, je réessayerai de mon côté, bien sûr, mais... Ouais, c'est pas mal comme épreuve quand même, c'est plutôt sympa, c'est original en tout cas. Et puis franchement, l'arène, elle est magnifique. Et mais c'est incroyable. Hein. Bon, deuxième épreuve, si jamais les gars. Mais ouais, l'arène est géniale. Hein. Elle a l'air vraiment géniale. Donc là, c'est marquer le plus de points possible. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Temps restant. Faut faire quoi là? Oh! Attends! Wow. Attends quoi? Ah, mais on a pas de vie du véhicule! Oh merde! Ah, ouais, d'accord! Oh les... Ah, ça fait pas de points, mais non.
aussi on peut péter la caisse, regardez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Démolition. Oh pff. Ouais, super. Ah mais c'est en réinitialise, c'est bon. Ok. Oh my god. C'est quoi cette épreuve? Essaye de changer d'endroit peut-être. Y'a quoi là? Oh oui, le truc là. Oh oui. Je drift. Ah mais du coup j'arrive plus à me sortir. Oh oui. Oh c'est excellent ça. Oh my god. Boum. Oh c'est génial. Ah merde, il me reste plus de 30 secondes. Oh l'envol. Boum. C'est une crêpe la bagnole. Et ça roule toujours. Ok, j'ai compris presque à la fin le but de l'épreuve en fait. Ok, le bronze, bon ça va. Ça devrait être pas trop compliqué en fait à faire. Mais voilà, franchement, c'est aussi une épreuve super cool et super originale, franchement, très très bien, très très bien. Donc voilà, bah écoutez, que dire, que c'est génial, c'est génial. La nouvelle mise à jour est juste géniale. Mais je suppose en plus que l'arène de destruction est disponible maintenant en épreuve personnalisée, donc forcément... donc on va pouvoir faire des longues parties dessus, donc ça va être cool. Donc voilà, donc écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez au pouce bleu, à vous abonner, et puis moi ciao et à la prochaine. Allez, tchuss.